Dans les rues de Caracas, des partisans de Juan Guaido font face aux forces de l'ordre, fidèles à Nicolas Maduro. Lancers de pierres et cocktails Molotov se répondent depuis le début d'après-midi. Pour échapper aux tirs de gaz lacrymogène, ces manifestants se réfugient dans une église. Ils ont commencé à nous attaquer quand nous avions le dos tourné. Regardez, ils nous attaquent. Ils tirent des grenades, du spray ou poivre. Quelqu'un s'est évanoui ici. Une femme de 27 ans est tuée par balle lors des échauffourées, selon une ONG. Mardi, Guaido... activity throughout the course of the day. We've been here since at around 10 o'clock this morning, and what we've seen, people are stealing at several factory shops and warehouses, stealing any goods from microwaves to fridges, you name it, and many of them using different ways of modes of transportation, some even deciding to take trolleys from these actual factories, some even using strollers or baby prams. But what we've also identified during the course of the day is that there's been very little police visibility. We only saw one police in Nyala, and we haven't seen anyone arrested during the course of the day, which is cause for concern. We do know that earlier on, when we got closer to one of the factories that were looted, we saw a couple of private security firing rubber bullets, but we cannot report at this stage whether or not there were any injuries. But what is also very important to point out, and what we've been hearing on the ground, is that at least one person has died during these clashes. That person is believed to have died at one of the factory shops. We also have identified one body that has been lying underneath this bridge here on Queen Nandi Drive. But as you can see, this area is totally continues to be busy. We're also seeing even young people
also helping themselves to many goods, some of them using trolleys such as these to take unashamed about what they are doing and their current situation. Many of them also hiring buggies and vans to steal goods. And what we've also identified is that some people have been trying to hide their license disc or license plates using cardboards, clearly trying to not be identified under the situation. But as I speak to you, on our right, we are seeing now some form of police coming in, a police Inyala, as well as a police vehicle coming in this vicinity. So this hasn't been the case. Live from Johannesburg, this is the current situation. Every business is shutting down. Informal and formal businesses are shutting down. I just do not know what exactly is going on. Guns are being shot. You may never even know what exactly these people want here. I don't know if this is still the Zuma saga or this is now for a different purpose. I'm going to go to the hospital.
Jab rota dona marot wal aini hamwa alash هاك هاك مواد هاك هاك دخل عشاء عشاء يا مش عشاء روح تنام في العشاء شوف نام محمد هبط هبط زيد هبط شو يريدوا زيد ليك للقلب من زيد بين انا بيني زيد هبط شو عندك محمد يا هبط ريد شوي الزبي يجي للقلب من هبط يوني جيز الله يهربوه ما ذن الرب الله يهربوه خلينا ندخل بوزيا بلاستيك بعد ما هذا Scène rare dans les rues de La Havane,
policiers et manifestants s'affrontent dans la capitale cubaine. Ce dimanche, des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays en colère. À bas la dictature, à bas les Castro. Des manifestations inédites contre le gouvernement. En réaction, le président cubain Miguel Díaz-Canel appelle ses partisans à descendre dans la rue. C'est pourquoi nous appelons également tous les révolutionnaires du pays, tous les communistes à sortir dans la rue, dans tous les endroits où ces provocations vont avoir lieu aujourd'hui, à partir de maintenant et pendant tous ces jours, et à les affronter avec détermination, avec fermeté et avec courage. Conséquence de cette escalade, des tensions entre manifestants et contre-manifestants dans certains quartiers de la Havane. Une contestation sur fond de crise économique, la pire depuis 30 ans selon certains observateurs. Crise que la pandémie de Covid-19 ne fait qu'aggraver. Depuis qu'elle sévit, les pénuries d'aliments, de médicaments sont permanentes et l'électricité est coupée plusieurs heures par jour. Dans le même temps, Cuba enregistre de nouveaux records de contamination et de morts dus au coronavirus. En visite dans les rues de San Antonio de Los Baños, le président cubain accuse. Au milieu de cette situation, et comme si les foyers de pandémie n'avaient pas existé dans le monde entier, la mafia cubano-américaine qui paye très bien les réseaux sociaux, les youtubeurs, les influenceurs contre Cuba, a créé toute une campagne en prenant comme prétexte la situation dans la province de Matanzas, comme celle de la situation à Cuba. Ils ont appelé à des manifestations dans toutes les régions du pays. À Miami, la plus cubaine des villes américaines, des milliers de personnes ont apporté leur soutien aux manifestations antigouvernementales. Ces jeunes d'aujourd'hui ont finalement dit « Assez, c'est assez et nous allons faire ce que nos parents n'ont pas pu faire ». Et c'est pourquoi maintenant les jeunes à Cuba ont finalement ouvert les yeux et nous sommes ici avec eux. Cubains, nous sommes ici avec vous depuis les États-Unis. Sous embargo américain depuis 1962, le gouvernement cubain s'est dit prêt à défendre la révolution coûte que coûte. Une situation suivie de très près par Washington, mettant en garde la Havane contre tout usage de la violence à l'encontre de manifestants pacifiques.